search of joy, peace and freedom. But I don't stand a chance to... J'aime bien cette idée de jungle où c'est un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en même temps il y a plein de choses tout le temps. Aussi, je pense que la jungle qu'on connaît avec les plantes, hein, évidemment, a toujours une vie particulière. Aussi la nuit, qui est toute une activité nocturne. Les thèmes souvent viennent assez. En fait, ma technique pour m'inspirer, c'est que je vais sur Internet, tout simplement, et je regarde différentes villes la nuit, situations nocturnes, de photos qui ont été prises en prise de vue réelle. Et s'il y a un motif qui m'intéresse, après, je le retiens. Cette invitation au voyage, il y a cette chose qui vit, alors que cette lumière pas naturelle aussi qui m'intéresse beaucoup. Et oui, je pense que c'est différentes choses. Après, il y a aussi un côté assez... j'aime beaucoup les villes asiatiques. Je trouve qu'ils ont une lumière nocturne qui est vraiment très très intéressante, très cinématographique aussi. Et avec plein de lumière partout, on a l'impression que la ville ne dort jamais. Cette jungle-là, c'est des inspirations du monde. Ça veut dire qu'on voit des États-Unis au Japon en passant par l'Europe avec toutes ces inspirations. Mais c'est vrai, effectivement, j'ai voulu créer une sorte de ville imaginaire, ou je ne sais pas, une espèce de cité, on ne sait pas trop, avec différents quartiers. Mais effectivement, dans l'idée de cette jungle, c'est que vraiment c'est un même lieu. C'est un même lieu qui est interconnecté, comme s'il se passait des choses. C'est vraiment genre une nouvelle ville qui sort de mon imaginaire, que j'ai créé pas moi et que j'illustre avec mes peintures. Et justement, il y a aussi ce foisonnement avec ces personnages qui sont des fois là, qui sont des fois pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Et on peut créer une toute nouvelle histoire en imaginant une ville complètement imaginaire, complètement sortie de mon imagination, mais avec des inspirations évidemment de villes qui existent déjà dans notre monde actuel.